في مبادرة قامت بها وزارة التجارة مدعمة تقنيا من طرف المركز الدولي بجنيف، أطلقت اليوم بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الورشة الثالثة حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير خارج قطاع المحروقات، حيث شدد الوزير على ضرورة التسريع من عملية تنويع الاقتصاد والدخول إلى السوق العالمية. aussi pour donc pour la sélection des secteurs nous avons pratiquement 8 secteurs qui ont été donc sélectionnés. Donc il y a les matériaux de construction, le pharmaceutique, les produits agricoles agroalimentaires. Donc il y a beaucoup donc de secteurs qui ont été sélectionnés. Donc je compte beaucoup plus sur les acteurs économiques pour que ces secteurs-là on peut les mettre à l'international. كما صرح الوزير أن وزارته بصدد إنشاء قاعدة بيانات خاصة بأسعار السيارات. Au service concerné تاعنا, ils vont faire un recensement de tous les acteurs qui sont dans la distribution et la commercialisation des véhicules. Ou en même temps, au niveau de chaque acteur, quel est le prix qui est pratiqué. Ça va nous donner une base de données pour nous. Et à partir de là, on peut donc agir en fonction de ce qui se passe. Donc pour le moment, on est dans une phase de recensement et de consolidation d'une base de données. Nous sommes dans une phase de recensement et de consolidation d'une base de données. خلق اقتصاد متنوع، متجدد وتنافسي هو من أهم الأهداف المسطرة بهذه الورشة.